Là, faut faire un petit clapotis clapota machin dit de chouette pour la VOD. Eh, salut YouTube! Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas joué à The Witcher 3. Allez, on y va! Parce que c'est important. T'as un PC puissant, un AC, mais le jeu je tiens pas en 60 fps, en ultra. Si je mets tout à fond, j'aurais du 30-40 fps à peu près. Donc pour stream, déjà je perds 15 FPS, c'est assez violent, donc j'ai une R9 380 si tu connais. Et mes processeurs sont pas terribles aussi. Enfin ils sont pas faits pour stream, pour jouer ça va. J'ai des AMD. Et le jeu j'arrive à... Ah j'ai 45-50 FPS à peu près quand je joue. En espérant qu'il y a voilà, quelques frames qui sautent à ce que je peux voir. Ah oui, d'accord, c'est assez violent. Est-ce que vous voyez mon truc Steam? Tu vois le nombre de FPS. D'accord, c'est pas normal que j'en ai autant. On va faire quelques tests. Quiz! Alors techniquement, c'est impossible que j'ai autant d'FPS. Bah là, le jeu en ultra, avec quelques options désactivées. Enfin, toutes les options désactivées, machin. Densité de l'herbe diminuée. Attends, je vais te montrer, ça va plus vite. Hop, vidéo. Traitement numérique. Donc tout ça, j'ai retiré. Parce que je trouve que le jeu est plus moche avec, en fait. Sauf ça, que je trouve cool. Et en graphisme, j'ai désactivé ben, ça parce que de toute façon, ça sert à rien. Parce que si j'active ça, c'est ça me fait perdre 30 FPS à peu près. C'est assez violent. Après, j'ai tout poussé à fond, sauf ça, ça et ça. Et le Nvidia Airwork que j'ai retiré parce qu'il ne servait à rien. C'est bizarre, j'ai pas l'impression là d'avoir autant d'FPS que ce qu'ils disent. Putain. Ok, salut. D'accord. Ah oui, et je vais changer le titre du stream aussi. Ça pourrait être une bonne idée. Ah, la moto qui passe derrière. Après, je pense pas que le bruit des voitures, ça s'entende. Par contre, la Mako est en PLS, hein. Faut bien l'avouer. D'ailleurs, ça risque de drop. Du coup profil. Là je joue en marche de la mort, difficulté maximale. Ah, on peut se sentir. Désolé, hein, j'habite en ville, c'est pour ça. Donc là, les gens sur le film ils sont outrés. Ils sont outrés parce qu'ils disent, mais il joue pas, c'est un enfoiré. Et c'est ça qui est magnifique avec Twitch. Parce que je peux faire des highlights, et donc je peux couper tout ça. Et donc là, faire comme si de rien n'était. Je vois que je venais d'arrêter à cause de la consommation de KitKat. Quand même pas. D'ailleurs, j'en mange pas. Pourquoi t'as plus de viewers, c'est dommage. Bah, un ou deux viewers, c'est ce que j'ai max quoi.
J'ai rarement au-dessus. Donc, on devait faire. Pourquoi je mets un marqueur? Ça sert à rien. Donc là, j'étais en train de faire les quêtes de Gwent, qui sont superbement chiantes. Bon, j'étais pas du tout en train de faire les quêtes de Gwent, parce que voilà. Parce que là, on va quand même affronter le sergent pour le corps à corps, donc je dis n'importe quoi. Je ne sais plus ce que je dis. Le streamer est confus. Après, ouais, The Witcher 3, c'est un jeu mais qui a une beauté graphique mais magnifique. Même en tout en minimum, le jeu est magnifique. Ouais, mais dis pas ça. Et pourtant, si, c'est vrai. J'ai rarement au-dessus de un ou une ou deux personnes qui viennent voir. Mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai envie de dire. Il y a beaucoup de gens comme moi. Tu vas sur Ozu, tu vas dans French, après t'en auras plein. Ouais, mais. Que j'ai 2 viewers ou 5 000, pour moi c'est un peu pareil. Sauf que quand on a 5 000, ben voilà. Après, ben, les gens commenceront à venir. Ils vont se dire, oh, mais c'est sympa. Et après, tac, la communauté, elle montera toute seule. D'accord. Donc, toi, tu vas te calmer. Salut. Bam! Ne tuez pas, mais. Les PNJ qui bug, c'est assez violent aussi. C'est devenu fou. Mais on se bat, madame, et vous regardez, calmez-vous. Bon, là, je peux bourrer en vrai. Et voilà. Je suis champion de Velen. Après, c'est vrai. Quand. Pour plus de viewers, faudrait que j'aie une meilleure connexion, que je stream avec une meilleure qualité. Et comment ça s'appelle? Mon micro aussi, je pourrais avoir une meilleure qualité, tout ça, tout ça. Après, les streams, c'est plus un passe-temps pour moi. Et une source de motivation pour finir mes jeux. Arrête, tu vas le tuer, mais il est pas mort de toute façon. C'est ça qui est dommage. Même en scénario, ils veulent pas le tuer. Oh! Je savais pas. C'est cool ça. J'ai déjà. Je l'ai pas celle-ci. Je l'ai pas. Des œillères. Ouais. On sert à rien. Et plus de vigueur. Ça me coûterait combien? 400. 600. Est-ce que ça vaut le coup 600? Ça fait même 700 à peu près. Ah, faut aussi vendre des pots. Oh mais une, ça vaut tellement cher. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est sûr, je pourrais me mettre vraiment au stream et tout. Mais bon. Voilà. Toute façon, je
pense pas qu'un jour, même si je le voulais vraiment, j'aurais 5000 personnes qui viendraient sur mes streams. Ah, mais il a plus de thunes. Après, qui sait? Je peux me faire raid par un gros streamer comme ça, et tac, bam. Des dizaines de personnes sur les 5000 qui viendraient, par exemple, qui diraient: ah, mais c'était play, c'est sympa. Et tout. Alors, oh my god. D'accord. Donc là, ça commence fort. I'm very lucky. Comme diraient les habitués. Ah ouais, si tu peux même en avoir 10. Je serais content en vrai. Bon, là par contre, peut-être que tu comprends pas ce qui se passe. Mais là, j'ai une de ces moules. C'est craqué. C'est craqué. Ouais, je peux même gagner si j'ai envie. D'accord, il passe. Il suffit d'aller dans plusieurs streams de OSB, tu vois. Ah là là. Tu vas chercher, viewer. C'est comme ça. Ah, c'est mon streamer de cœur. Venez chez moi. Kappa. Ah, par contre, je vais l'humilier en face. Ça va être magnifique. Pas le but de The Witcher. Bah là c'est un mini jeu. Ils vont bientôt sortir un jeu The Witcher le Gwent, donc qui va prendre le même principe que ce que tu es en train de voir là, en plus poussé bien évidemment. Et là bah, c'est un mini jeu, donc c'est une simulation de bataille sur un champ quoi, enfin, un champ de bataille, et le but c'est d'avoir plus de points que son adversaire. Et ça sert à gagner des cartes de Gwent et un peu de points d'XP et un peu d'argent. C'est un mini-jeu littéralement. Et GG pour le level 1 sur le chat. Ok, ah, pas de soucis. Ne t'en fais pas. Et là, là je gagne déjà. Mais l'humiliation. Voilà. Parce qu'il faut humilier son adversaire. Gagner n'est pas important. Donc là, c'est drôle. Donc, qu'est-ce qu'il me donne comme carte? Carte rare. Contrebandier avec or. Jamais vu. Je suis le 32e. Eh oui. Y a pas beaucoup de monde comme je le disais qui passe aussi. Ah, c'est un scoyateur. Après je pourrais te faire aussi un résumé de The Witcher et tout ce que j'ai déjà fait dans cette partie, mais ça risque de prendre pas mal de temps, et vu que bah, ça prendrait plus que 4 minutes je pense. Après je pourrais te dire, tu peux aller sur mon YouTube regarder les anciennes VOD, même si elles durent trop longtemps. J'en ai une qui dure 3 heures. Là maintenant je les coupe en 45 minutes format YouTube, j'ai envie de dire. Pour pas que le type il arrive, oh 3 heures à regarder, c'est long. Ça tac, je mets 40 minutes. Ça se fait ouais, une fois à peu près. Et tout le monde est content. Ouais, ça me fait du contenu, je sais quand même de mettre une vidéo par jour sur mon YouTube avec un pote à moi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors ça c'est level 4, mais il y a un monstre level 150 millions qui m'attend, donc non. Trop dur, trop dur, trop dur. Et ça on est toujours pas zone. La quête secondaire. Hmm.
Est-ce que ça vaut le coup de la faire? Y a pas d'autre panneau à aller chercher. Ah non, j'ai tous vu. Pierre, je préfère les points d'interrogation. J'ai toujours pas été rendre visite à l'autre. J'ai oublié son nom. Il y a tellement de choses à faire que je sais pas quoi faire. On va faire les points d'interrogation là. Donc ça, techniquement, il y a un TP ici. Après, tac, on se TP là. On fait quelques points qu'il y a là. On revient là. Et ensuite, on se re-TP et on essaie de faire les trucs ici. Et après, ça fera déjà bien 40 minutes, je dirais. Voire même plus. Ok. Bah, merci d'être passé, Strawberry. Et bonne fin d'après-midi, du coup. Du coup, moi je pense jouer encore une petite demi-heure. Donc, ouais. Ouais, 6h20, je coupe. Donc, ouais, encore une petite demi-heure. Du coup, on allait faire quelques points d'interrogation qui par là. C'est abandonné. Ah bah je level up du coup. Et ça c'est cool. Bon, par contre j'ai des noyeurs. Ça va me faire chier. Noyeurs, des nécrophages du coup. Ai-je mais ça c'est ici. Suis-je contre les nécrophages? Allez, elle est là. Ok. On va se calmer. J'arrête. Il est bugué! Ce jeu est bugué! Putain. Voilà. Le respect. Mon dieu. Ok, on se calme, on réfléchit. Push. Ok, ton conseiller est mort. Ça en fait un au moins. Arbalète. Tac. Ok, seul, ça ne fatigue pas. J'ai rien dit. Salaud. Ok, il y en a encore deux là-haut. D'accord, j'ai mal joué là. Bon, les yeux ne servent un peu à rien en vrai. On est tout seul, aïe. De toute façon, il faudra que je médite après. Donc je peux me... Bon, ok, il en reste un, mais pas grave. Et on voit encore au fond. Il était en train de prendre le soleil. Geralt qui est pensant. Et level up. Passer level 8. Et qu'on a gagné un nouvel endroit. Mettre une capacité. Et on pourra prendre une nouvelle capacité rouge. Ce qui est totalement génial.
œil d'aigle. Faut mettre ça là du coup. Et après ça je pourrais le retirer et remettre un rouge. Oui, avoir un plus gros bonus de dégâts. Ouais, méditer. Encore l'animation. Ah merde, ça, regarde, je pourrais pas piquer tout ce que je veux. Puis, quoique si on n'a pas un autre par là, je pourrais piquer ce qu'il y a dans la maison. Ce qui est dans les maisons, je peux les piquer tranquillement, sans faute. Voilà. Parce qu'il faut chercher dans ce jeu. Hein. Le jeu récompense très bien ceux qui fuient. Salut! Ah, mais je t'ai déjà vu. Déjà vu du coup. Ouais, c'est gants. Ouais, bah, c'est de la merde. Passe-moi ton fric. Allez, à plus. T'as quand même des nécrophages aussi proches de la côte. Parce qu'il y a quand même Oxenfurt qui est juste devant. Donc qui est quand même à quelques mètres. Et il ne voit pas. De l'eau. C'est vrai. Carte du monde. Donc il reste encore ça et ça. Donc vu comment ça passe, je pense qu'on va faire les 5 points en fait. Enfin, bien 5 qui restent. Il sera déjà quasiment là. Je vois pas le temps passer avec ce jeu. Personnellement j'ai mis 70 heures, enfin à peu près, pour en dire quasiment 80, pour finir en premier ma première partie sur le jeu. Là, ah oui d'accord, c'était une monstre. Et j'avais pas fait tous les points d'interrogation de Skellige. Voilà, je cherchais le nom de Skellige. Oh merde, ouais c'est trop lourd. Quoique c'est pas des algoules. Prendre une hirondelle pour se régénérer ne serait pas déconnant. Remettre un couen. Ok, ça part. Sortir son épée. Ce serait une bonne idée. Et aller foncer dans le tas. Petit coup critique. Petit coup critique, petit coup critique, petit coup critique. Que ça. D'accord, donc si je fais ça, ça cancel son. Quand ça se manime, ça peut être pratique à savoir. Par contre, la régène, elle va être chiante. Is ok. Is ok. Ouais. Putain, encore deux là où on se prenne. Vous êtes trop nombreux. Là, ça met combien d'XP? 114. Je crois que c'est très jeune de malade.
Ok. Dernière hirondelle, du coup. Je devrais suffire. Bon, je suppose. C'était quand même assez chaud. D'ailleurs, c'est quoi ça? Ah oui, c'est un trébuchet, d'accord. Donc ouais, ils se sont fait tuer ici, et puis ben... Les ghouls sont venus parce qu'il y avait des cadavres. Hein. Enfin, plein de cadavres, et donc ben, ils sont venus manger. Ok. Du coup, on va reméditer un peu. On va déjà faire celui-là. On va démolir un peu. D'ailleurs, je sais pas si c'est la bonne épée. Pourquoi c'est la bonne? Allez, venez par là, les petits chiens. Je prends 10 fois trop de dégâts. On bourre sa vie. On s'en fout, on a le coffre fort, on a que ça. On en a plein. On peut se permettre de bourrer un tout petit peu. Pourquoi pas? Allô? Merci. Encore des loups, non merci. Pas beaucoup de points d'XP quand même les mobs pour, tant qu'on n'a pas l'équipement de sorceleur. C'est assez dommage. Et du coup je vais dire le truc que j'avais eu. Troisième carte là. Très col du chat. Ok. Ok, 10 fois trop dur en vrai. On repassera. Par contre, il y a un peu trop de noyeur ici. D'accord. Par contre, j'ai plus d'hirondelles, ça va être chiant. Ah, je l'ai gelé. C'est pratique du coup. Est-ce qu'on nous place des animations? Au ralenti. Putain, quand tu le gèles, ça égale zéro. Hein. On va quand même méditer parce qu'on n'est pas fou. On a aidé comme ça, mais pas mal d'XP comparé aux autres. Grosse bombe. Hein. Grosse bombe. Connerie.
J'ai eu, hop, t'es méchante. Faut que j'arrête de bourrer. J'en marche de la mort quand même. Faut pas bourrer. Ça pourrait devenir dangereux. Ok. Pouvons voir ce qu'on a récupéré. Ah, quoi que. Ah, mais non. Quoi, ça me sert un peu à rien. Tiens, je vais faire les deux là et puis je vais arrêter. J'ai des trucs à faire moi aussi. Se streamer des jeux, c'est rigolo. Mais j'ai autre chose à faire. Sauf que là, ça fait 2 heures que je suis en stream. J'ai quand même streamé 3 heures hier et encore 3 heures et 2 jours. Ça fait pas mal. Un trésor caché. Note de neige gardien. Engagez-vous, qu'il disait. Vous tuerez les Nordiens. Vous porterez la bannière du grand soleil au mont des dragons. Vous ferez la fierté de l'empereur. Je me suis donc enrôlé et on m'a envoyé à Vélène. Si tout le nord ressemble à ça, grand Dieu, je ne sais pas pourquoi on se donne autant de mal. Il n'y a que des saletés, la maladie et les tombes. Je suis là depuis 2 mois. Je n'ai pas encore vu un seul redanien. Au lieu de combattre, on doit effectuer les commissions toutes les plus stupides les unes que les autres. À présent, le sergent veut qu'on retrouve un coffre. Il contient des babioles volées aux Nordiens, apparemment. Il est tombé d'un chariot allant vers le sud. On parcourt ce marais depuis maintenant 3 jours. Tout ce qu'on a trouvé, c'est une botte criblée de trous et le crâne d'une vache. Quel gâchis! Mais si on rentre sans le coffre, on nous enverra au trou. Et on perdra 3 semaines de solde. Alors on va continuer de chercher pour la gloire de la patrie. C'est beau. Comme par hasard, hein, c'est là où il y a une noyère. Ce ne serait pas drôle sinon. Et oui, un noyadé aussi. Oh, ils sont que level 4. Ouah. Tri. Ah si, il a quand même brisé mon coin en un coup. C'est assez violent en tout cas. Je l'ai lui. Il va être frais. Décapité. Salut. D'accord. Je suis sur lui. Pourquoi pas. Deux coups. Skip. Une. Deux. Et je prends un troisième comme ça. Et c'est fini. Tac. Des glyphes, c'est cool, ça coûte cher. Des babioles, des grosses babioles, hein, parce que c'est quand même une peau de cochon. Les mecs, quand même, ils sont morts pour une peau de cochon. Gros, gros général, j'ai envie de dire. Yo. C'est quoi par là? Ah bah le voilà mon TP. Salut. Comment elles sont un peu nombreuses les ghouls? C'est pas normal qu'il y en ait autant. Ok. Donc là on peut les bourrer, c'est cool. Je peux bourrer, c'est cool dans ce jeu. Je me concentre sur une parce qu'avec l'origine ça va devenir très très chiant. Ok, une en moins. Les dégâts sont présents en tout cas, ça fait plaisir.
Ok. Et c'est la dernière. Je vais pouvoir m'en tirer. Non, je me suis pris un coup. Mais ouais. Ça restait gérable. Hein. Débloquer avec l'épée ici. Déjà ça. Sauvegarde rapide au cas où. Je vais faire une blague nulle, mais non. Je vais me retenir. Sûrement sur moi. Okay. Je pense pas que le coffre va être aussi nul. Ah, par contre, là-dedans, il y aura des glyphes. Je le sens. Chaque pourri, putain. Gros glyphes. Ouais, bon, on va fouiller. Bah voilà, je me fais fouiller. Les coffres inutiles. Pourquoi celui-là est sous l'eau? Ah, il y a eu une perle. Est-ce vraiment utile? Je ne sais pas. Je vais toujours se vendre. C'était quoi ici en avant-poste? Parce qu'il n'y a que des gardes. Mais je vais fouiller le coffre. D'accord, je n'ai pas tout pris. Quoi qu'il en soit. Toujours pour interrogation là-haut. Hop, hop, hop. Peine de garde en embrouillé, mettez une faction mort à cause de ça. Ah, on a quoi? Il est à la bonne poste. Ah oui, d'accord, il était complètement démoli par les monstres. Il s'est abandonné. Ah, c'est-à-dire qu'ils vont revenir après? Putain. Je suis pas vraiment sûr de pouvoir les aider. Ça, je trouve que c'est une algo d'un moment. Bonsoir, bonsoir. Vous ne m'invitez pas à vos fêtes? Force de créer comme ça. Putain. D'accord, j'étais. Ils m'ont mingué. Ils m'ont bloqué dans une tente, je pouvais plus bouger. Ouf. Oh, chargement un peu loin à cause du stream, malgré mon SSD. Ah, oh, j'ai tout fouillé, chier. Mais chier. Dépêche. Ah, j'en prends une sauvegarde rapide au cas où. Ah bah voilà, de ouf. Kit de réparation. Pourquoi pas. Du coup, les ghouls, c'est quoi déjà? Ghouls, ouais, c'est un nécrophage. Donc au pire, on va tout optimiser. On va jouer comme le jeu veut qu'on joue. C'est-à-dire pas en bourrant et espérant que ça passe. Je peux pas faire une nouvelle potion du coup. Ah bah si. Ok. Par contre tu vas rester là. Tu es très dangereuse. C'est pas le bon truc qu'il me faut. Taxi. Parce que là, ça sert à rien que j'attaque. Merde, c'est sorti.
Bon, je remeurs une fois et on se casse. Mon Dieu, je pensais pas que c'était aussi violent quand même. J'arrive pas juste parce qu'il y a une seule algoule quand même, hein. C'est assez violent. Fais pas chier! Je remets un tonnerre de Théo. Ce qui est chiant, c'est qu'ils peuvent se régénérer. Bon, la gauche pour la gérer, c'est toute seule. Merde, je suis intoxiqué. Ok. D'accord. Rien à foutre, on boit les potions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On reviendra quand on sera plus fort. Parce que là, on peut pas, hein, littéralement. Hein, j'ai pas les bons équipements. Donc, merci d'avoir regardé. Et puis, bah, une prochaine fois. Ciao, bye.